Dès le début des années 80, un certain nombre de demandes de la part du PKK d'arrêter l'action armée. Il y a eu en tout quatre propositions unilatérales de cesser le feu que le PKK a respecté pendant un certain temps à chaque fois, mais que la Turquie n'a jamais respecté. Donc je crois que c'est important que dès le départ, il y a un processus pacifique qui a été entamé par le PKK. Donc le PKK a tenu ses engagements, notamment un de ses engagements était que les groupes armés quittent le territoire turc, ils sont partis de l'autre côté de la frontière en Irak, alors que il y a eu les bombardements ont continué à se faire du côté turc et on était à Diyarbakır il y a 3 ans et 4 ans. Et on entendait décollant de l'aéroport de Diyarbakır des bombardiers F-16 turcs qui, nous a-t-on appris, allaient bombarder quelque part dans la montagne des positions kurdes. Donc, on pourra revenir sur les raisons pour lesquelles la Turquie s'est lancée dans ce processus, parce que c'est certainement pas par bonté d'âme que à l'époque Premier ministre, actuellement président de la Turquie, Erdogan, s'est lancé, mais donc politiquement, il était en situation de faiblesse et il avait besoin pour se maintenir au pouvoir de ce genre de choses. Donc je reviens là. Donc Abdullah Öcalan, qui bien sûr était recherché par à peu près toutes les polices du monde, qui a fait plusieurs fois le tour du monde pour se cacher, finalement a été capturé en 99, donc 98, pardon, grâce aux services secrets américains, israéliens, etc. Et il a été condamné à mort en 99. Sauf qu'il y a eu une telle pression internationale que sa peine a été commuée en internement à vie. Et actuellement, depuis cette date, il est seul dans une prison, dans une île au milieu de la mer de Marmara, la prison d'Imrali. Et pendant plusieurs années, il n'a pas pu recevoir de visite ni de sa famille, ni des gens du PKK. Le prétexte invoqué par le gouvernement turc était que le bateau était en panne. C'est un peu bête de ne pas réussir à réparer un bateau sur plusieurs années, mais c'était de manière extrêmement cynique la raison qui était faite, et notamment à ses avocats. Un responsable musulman important, Goulen, finalement, pour des raisons de pouvoir, etc., s'est séparé de la majorité autour d'Erdogan. Et donc, ce processus, il bat de l'aile. D'une certaine manière, ce qui se passe actuellement au Rojava, donc au Kurdistan syrien, donc disons, avec la ville symbolique de Kobané, rentre dans ce processus. Et il se sent contraint, en fait, d'aider Daesh, parce que pour lui, évidemment, un bon Kurde, c'est un Kurde mort. Excusez-moi d'être cynique, mais c'est quand même et on peut dire aussi que je vous parlais tout à l'heure d'épuration ethnique avec les Arméniens, avec les Grecs, avec les Syriaques, etc. D'une certaine manière, c'est ce processus qui continue sur le fond pour Erdogan. Il voudrait vraiment faire une Turquie qui soit, entre guillemets, homogène au point de vue ethnique. Il y a eu un certain nombre de partis kurdes qui ont été créés, qui étaient interdits tous les ans ou tous les 2 ans, donc c'était recréé sous un autre nom. On a toute une liste là des noms différents. Actuellement, ça tient depuis à peu près 3-4 ans. Il y a donc le BDP a une vocation principalement dans la partie réellement kurde de la Turquie, c'est-à-dire à l'Est, hein, et le HDP est principalement dans les autres régions de la Turquie. Et donc, dans les élections qui vont avoir lieu au mois de juin, des élections législatives, normalement, tout le monde va être présenté sous le sigle de HDP. Je vais revenir assez vite, parce que là, il y a vraiment un pari extraordinaire qui a été fait par les autorités du PKK.
Donc progressivement, aux élections, le BDP a conquis des villes. Les dernières élections étaient en mars. Là, avec Edith, on était observateurs internationaux dans dans une petite ville, pas très loin de la frontière arménienne. Donc c'était tellement juste que les bulletins ont été recomptés 14 fois. C'est pas 13, c'est pas 15, c'est 14 fois. Il y a eu des tas de pressions. Quand on est parti, on était 4 observateurs internationaux, donc on devait être observé à la loupe. Quand la voiture avait fait combien pour revenir sur la ville de Vannes, où on devait prendre l'avion le lendemain matin tôt, l'armée a investi le centre de la ville. Donc on peut voir le type de pression qu'il pouvait y avoir dans toutes ces élections et quels sont les enjeux qui sont en cours. Donc parce que la loi électorale turque prévoit que ne peuvent être représentés au Parlement que des partis qui ont au moins 10% des suffrages au niveau national. Sinon, s'ils n'ont pas 10%, ils ont zéro élu. Et donc, le calcul actuel, c'est que si le HDP, pardon, BDP, bon, peu importe, dépasse les 10%, ils auront une centaine d'élus. S'ils sont en dessous, ils auront zéro élu. Et donc, il y a une sorte de pari qui est fait. Et ils ont le BDP a décidé d'aller à la bataille électorale sous un titre unique. Et donc là, c'est un pari extraordinaire. Je crois que c'est important aussi de le signaler et de montrer la maturité politique de tout ce peuple kurde qui a évalué et qui prend le risque en disant « on y va », ce qui leur permettra quand même d'occuper une place importante au Parlement. Les rapports entre la France et la Turquie. Il y a un accord de police entre la France et la Turquie, donc qui est déjà un peu ancien, qui a été renouvelé il y a 2-3 ans à peu près, mais qui n'a pas été ratifié du côté français. Et donc on s'est battu, enfin toutes les organisations kurdes et leurs amis, bon, tout le monde l'appelle le MRAP, etc., Parti communiste français, se sont battus justement pour que la France ne ratifie pas, sur une raison simple. Dans cet accord, il y a un certain nombre d'accords, il y a un nombre de points concernant la police, la drogue, le grand banditisme, etc. Bon, rien à dire, c'est des relations normales entre pays. Par contre, il y a une clause qui est importante, qui concerne le terrorisme. Et donc, ce qui est visé, évidemment, c'est le PKK. Et donc, on a réussi à obtenir que le Parlement ne ratifie pas ça. C'était l'année dernière. Mais ça reste quelque chose de fragile. À la limite, un changement de majorité parlementaire pourrait faire que ce truc ait été ratifié. Donc, il faut qu'on soit tous très, très attentifs sur le sujet. Et donc, la France est tout à fait complice de la Turquie dans la chasse au PKK. De manière assez régulière, il y a un certain nombre de membres suspectés d'être membres de l'organisation terroriste du PKK qui sont appréhendés par la police. La plupart font un peu de prison. Et puis au bout de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 6 mois, on les relâche. On dit « Écoutez, on est vraiment désolé, on s'est trompé. Là, c'était pas vous qu'on cherchait. Enfin, vraiment, on est confus que vous ayez fait 6 mois de prison pour rien. » Et donc, de manière régulière, c'est ça. Et il y a un procès en cours de 7 personnes de Marseille, dont le 28, normalement, le verdict devrait être donné, qui est un peu sur ce sujet. Donc, évidemment, le 28, tout le monde est très attentif là-dessus. Je termine sur cette partie au sujet de l'assassinat des 3 militantes, il y a donc 2 ans, presque jour pour jour. Donc, Rojbin, Sakine, Leïla. Rojbin et Sakine, Leïla était plus jeune, elle était stagiaire en fait, là. Mais Rojbin et Sakine étaient les chevilles ouvrières des relations entre l'Europe et les Kurdes. Enfin, Rojbin, on la connaissait bien, il y avait rarement de semaines où on ne se voit pas, où on ne se téléphone pas. Et vraiment, ça a été un choc considérable. Alors, par rapport à l'enquête en cours,
Donc la juge d'instruction, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, la juge d'instruction, on a eu des éléments par l'avocate il n'y a pas très longtemps, la juge d'instruction a fait son boulot. Donc le présumé coupable à 99,99% de probabilité est en prison. Donc on sait qui a tenu le revolver. Par contre, ce qui est important, c'est d'avoir les commanditaires et tous les éléments pointent sur les services secrets turcs et le gouvernement turc. Donc il y a un certain nombre de commissions rogatoires internationales qui ont été lancées par les ministères français correspondants vers la Turquie et qui, pour le moment, sont sans réponse. Je pense qu'on a peu de chances d'avoir des réponses un petit peu précises, mais je crois que c'est important de voir que la police française a fait son boulot et les juges d'instruction. Parce que souvent on dit, bon, ça va être comme Curiel, comme Ben Barka, comme Dulcy September, tout ça, on n'aura pas d'éléments. Là, on a eu la chance d'avoir une juge qui fait bien son boulot. Donc pour le moment, on en est là. Les raisons pour lesquelles cette lutte de Kobané existe, il y a plusieurs raisons. Il y en a une importante, c'est qu'au Rojava, il y a la mise en place actuellement d'une administration démocratique avec la pratique kurde habituelle, c'est-à-dire qu'aux principaux postes de responsabilité, il y a un homme, une femme. Pour les mairies, par exemple, comme on l'a vu au mois de mars dernier dans les élections, alors bon, le mot français n'est pas terrible, ça fait des coups, maire, mais il y a donc un homme et une femme qui, à égalité, partagent la responsabilité de la ville. Et donc, c'est en train de se mettre en place aussi au Rojava, et avec une participation démocratique importante. Donc c'est sûr que pour la Turquie, comme pour la Syrie, c'est inacceptable. Hein. Bon, j'évoquais là tout à l'heure les raisons pour lesquelles les Kurdes étaient dangereux pour les Turcs, mais la raison, elle est là. Alors Daesh, bon, je crois qu'on sait tous un peu ce que c'est. Enfin, c'est une sorte de multinationale du crime utilisant la religion comme prétexte, mais ils sont aussi musulmans que moi, je suis évêque. Mais ben bon, c'est vraiment la religion n'a rien à voir avec leur motivation de bandits. Et donc, on se trouve dans une situation extrêmement paradoxale où le PKK, qui fait partie des organisations terroristes, en fait, est la force principale qui protège les populations, aussi bien du côté syrien que du côté irakien, puisque là, ils sont intervenus. Il y a un camp de réfugiés à Marmour, de réfugiés turcs en Irak. Et donc, c'est le PKK qui a été la force militaire principale qui a permis ça. Et je crois que c'est important aussi de signaler que ça concerne bien sûr la défense des Kurdes, mais que ça concerne les Yézidis, les Chrétiens, les Syriaques, les Assyro-Chaldéens, les Arméniens. Donc, vraiment, les Kurdes se sont portés au secours de l'ensemble des populations de la région avec toute leur diversité. Je crois que c'est aussi un point important à signaler. La Turquie est complice complètement de ce qui se passe autour de Kobané ou dans les deux autres cantons, puisque ça s'appelle des cantons de part et d'autre de Kobané en Syrie. Mais la Turquie est complètement complice. La France est complice de ça dans la mesure où il n'y a eu aucune condamnation de notre pays à ce sujet. Quand on connaît les relations étroites qui existent entre la Turquie et la France, quand des officiels français sont allés dans les quelques derniers mois plusieurs fois en Turquie et que la France a reçu un certain nombre d'officiels turcs, etc. Donc la responsabilité de notre pays est complètement engagée et je crois que c'est important qu'on va vous proposer une pétition tout à l'heure sur le sujet. Je crois que c'est important qu'on unisse nos forces pour rappeler notre gouvernement à ce qui est une nécessité humanitaire de base.